Coucou Lady Tony. Bon, écoutez, j'ai reçu les deux courriers en accusé de réception. Donc, je pensais que c'était pour Louane et pour Oana, parce qu'on a fait appel de la décision pour Oana. Et concernant Louane, c'est pas nous qu'on avait fait appel de la décision concernant le placement à domicile, mais c'était l'ASE. Vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que l'ASE, c'est du jamais vu, que l'ASE n'ont aucun motif pour contrer la décision de la juge, tout en sachant que ça a été les premiers à reconnaître que Louane n'a pas sa place au foyer. C'est plus possible pour elle, les établissements, les institutions. Donc le placement à domicile avait été prononcé, mais bien entendu, ils ne sont pas d'accord encore une fois. Donc pour la deuxième accusée de réception, ce n'est pas pour Oana, malheureusement. Donc pour Louane, c'est le 18 octobre. On doit se rendre pour 8h30 à la cour d'Aix-en-Provence, voilà, à la chambre des mineurs. Et la deuxième lettre accusée de réception, c'est pour. Tenez-vous bien. Non, c'est pas pour Oana. Ce n'est pas pour Lilou non plus. C'est pour Adixia. Oui. Étonnant, hein? Alors la deuxième accusée de réception, c'est pour Adixia. Et en fait, il demande tout simplement. Alors attendez. Au vu l'urgence, ça fait quand même, vous le savez, je mens pas, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans qu'on ne voit plus Adixia, qu'on n'a aucune nouvelle, que ce soit par téléphone, que ce soit par verre vocaux ou autre. Marilyn non plus, on n'a aucune nouvelle, Maëva non plus. Pour Adixia, elle a quand même 4 ans, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on ne la voit plus. Et là, il précise sur le papier, au vu de l'urgence et de la carence des déteneurs de l'autorité parentale. Alors maintenant, je suis en carence. Moi et mon mari, nous serions en carence. Je ne sais pas comment je suis censée le prendre. Bien entendu, je le prends avec le sourire, mais intérieurement, je ne sais plus comment je dois l'interpréter, comment je dois le prendre. Donc voilà. Donc en fait, il demande que moi et mon époux, on soit déchus de nos droits parentaux. Voilà. Donc c'est pas la première fois qu'on reçoit un papier pour Marilyn ou pour Louane ou autre. Mais là, c'est pour Adixia cette fois-ci. Sauf que Adixia, il n'y a aucun motif qui demande à ce qu'on nous retire l'autorité parentale, parce que la petite, je ne la vois pas. On ne la voit pas, ça fait 2 ans. Elle a quand même 5 ans. Pourquoi j'ai dit 4 ans? C'est Lilou qui vient de faire 4 ans. Elle a quand même eu 5 ans, Dixia, au mois de mars. Donc, je suis désolée. C'est quoi le problème? Ah ben, je sais pas. Vous ne savez pas, moi non plus, je ne sais pas. En fait, il n'y a personne qui sait. Voilà. Maintenant, concernant Louane, je viens d'appeler l'inspection académique parce que l'ASE aussi, il devait appeler, mais bon, heureusement que j'appelle moi. Donc, j'ai rappelé l'inspection académique parce que vous savez que Louane, elle était entre deux collèges. Donc, on m'a demandé de rappeler jeudi. Parce que jeudi, apparemment, les collèges y rouvrent. Donc, elle m'a demandé de rappeler jeudi matin pour en savoir un peu plus. Voilà. Pour savoir dans quel établissement elle va aller. J'espère qu'elle va aller au collège en bas de la maison. Voilà. Donc maintenant, vous le savez, la deuxième lettre accusée de réception, c'est pour Adixia. Il demande à ce que on nous retire nos droits parentaux pour la petite. Pour quel motif? On va dire que oui, je le sais, mais oui et non. Parce que la dernière fois, en fait, j'avais demandé à ce que Louane vienne avec moi en visite médiatisée pour Oana. C'est normal, elle vient avec nous pour Lilou. Je vois pas pourquoi elle viendrait pas avec moi pour aller voir Oana. C'est quand même sa petite sœur, quoi. Et quand je suis allée là-bas, ça s'est très mal passé. On m'a fait comprendre Louane n'a pas sa place ici. Donc moi, je les avais appelés
avant de venir. Et j'ai dit, ben, je viens avec Louane. On m'a dit, non, 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 Louane, elle vient pas, surtout pas. À croire que c'est une paria, vous savez, une pestiférée, là. Donc, du coup, quand je suis allée, j'ai dit, bon, il faut quoi, en fait? Il faut quoi? Qu'on abandonne tout? Mais j'ai fait aucun écrit. J'ai fait aucun écrit. Donc, du coup, ça m'a tellement gonflée qu'on a fait appel à leur supérieure. Donc, la supérieure, elle est venue. J'ai discuté avec. Ils ont écouté.